Salut à tous, c'est Didier, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous fais une petite vidéo voilà, sur ce tracteur sorti aujourd'hui. Voilà, il est tout simple, hein, basique. C'est un Fiat. Pour ceux qui sont de ma génération, vous les avez sûrement connus en action. C'était des bons tracteurs. Donc le voilà d'aspect extérieur. Ensuite, voilà, une fois que vous l'aurez téléchargé dans le mode hub, c'est dans les tracteurs moyens. Donc au minimum, vous avez 160 chevaux. Voilà, vous avez deux configurations moteurs. Après les pneus habituels, hein, Trelleborg, Michelin, Continental, Wallerstein. Voilà. Et avec certains pneus, voilà, certaines marques, vous ne pouvez pas changer la largeur, etc. Ensuite, voilà, ça se passe derrière. Voilà, soit vous avez les bras mécaniques ou soit hydrauliques. Ensuite, bah, comme tout Fiat qui se respecte, hein, voilà, vous avez le filtre à air bas ou haut. Voilà, bas avec le pot chromé. Vous avez le choix des garde-boue, soit avant, soit arrière, ou soit, voilà, ou les deux en même temps. Ensuite, les gireux, vous avez soit droite ou gauche, ou les deux. Et le support de poids, voilà, vous avez soit les masses à l'avant, soit les masses à l'avant avec antenne. Ou rien du tout. Vous mettez un front lifter devant pour avoir un relevage à l'avant. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, hein, la vitesse est de 35 km/h. Il est quand même assez maniable. Voilà, vous l'entendez, vous entendez les freins qui sifflent un petit peu. Voilà, pour une petite ferme, pour une petite exploitation, il est vraiment sympa. Vous pouvez ouvrir la vitre arrière en faisant L1 et le joystick de droite, de gauche ou à droite. Si vous allez à droite, vous l'ouvrez. Si vous allez à gauche, vous le fermez. Vous pouvez ouvrir le toit en faisant R1 et le joystick de droite toujours. Si vous allez à gauche, vous l'ouvrez. Si vous allez à droite, vous le fermez. Et vous, si vous faites L1 et R1, voilà, vous pouvez ouvrir la porte. Porte est ouverte, la vitre arrière aussi, le toit ouvrant aussi. Voilà, puis bon, ben, l'intérieur, hein, c'est basique, c'est normal. Et la vitre arrière ouverte, assez de visibilité à l'arrière.
Donc voilà, ben, j'espère que cette petite vidéo et ce tracteur vous plaira. Et ben, d'ici là, portez-vous bien et très bon jeu à tous. Allez, ciao, ciao!